retrouve le lendemain. On est au bord d'un petit torrent, les Torrente comme ils l'appellent, comme appellent les Italiens, donc juste derrière nous. Donc un petit torrent qu'on va explorer. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je pense qu'il y a un petit peu de truite. C'est ça. Donc on va marcher le long, il y a une belle balade et puis on donnera c'est quelques ça. Coups pour voir. Exactement. Donc c'est parti. Allez go. Allez go. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates a sight set on her prey. Elle l'avait. Laisse-la descendre. Laisse-la descendre. Voilà, super. Si, si, tu l'as. J'ai juste perdu un très joli poisson dans le courant. Elle s'enroulait autour d'un rocher. Je suis descendu. C'est vraiment un beau poisson au-dessus des 35 ans. Donc on va essayer d'en faire une autre, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche. Elle fait presque 50 hein. Après une première belle prise pour moi, c'était à Thomas de prendre sa première grosse truite du trip. Le poisson les gars, c'est incroyable. Je l'ai fait dans un tout petit trou, elle est sortie nulle part. Incroyable. On est obligé de la brider comme un fou. Super poisson, c'est un poisson qui va faire 45. Une robe magnifique. Super poisson. On va vite la remettre à l'eau. Allez, cool. Yes. Super balade, franchement. Le cadre est juste complètement fou. Il y a une lumière vraiment top. Les montagnes juste en face. On se croirait un peu aux États-Unis, donc c'est vraiment sympa. Dans les grands parcs naturels, c'est super sympa, on s'amuse bien. Et on va essayer de découvrir un petit ruisseau. Pour l'instant,
Voilà, on fait deux jolis poissons et puis après plus rien. Donc on verra et puis on va se balader, se faire des belles images. Je vous laisse avec les images. Baby, open up to me. Don't give up so easily. Open up your eyes and see. There's more to our story. Le torrent poursuivait sa route dans des gorges étroites et inaccessibles. Une bonne demi-heure de marche était nécessaire pour continuer à le prospecter. Mais la marche en valait la peine. Du ruisseau, on est monté, on est très très haut en altitude, je pense à plus de 1500 mètres, et voilà, il y a encore des parios, elles sont un peu moins nombreuses, mais elles sont vraiment belles, très combatives, il y en a quelques-unes. Bien là. Lancé au même endroit. Belle petite pario. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.